Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire passer le temps des vacances de Noël. Alors, si vous avez un petit peu de congé et que vous avez envie de vous amuser et de vous tirer les cheveux comme moi et de ressembler à un moment donné à un kiwi, eh ben, j'ai ce qu'il vous faut ce soir, les amis. C'est moi qui vous le dis, vous vous rappelez de ça? Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, attendez, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Donc, cette feuille-là, les amis, c'est un exercice qu'il y a déjà sur la chaîne. Vous descendez de 2-3 vidéos et vous avez l'exercice à travailler. Seulement, pour ceux, pour les plus téméraires, pour les plus endurants, pour les plus perfectionnistes qui ont déjà réussi à passer ça, gentiment les doigts dans le nez, eh ben, je viens de vous ressortir quelque chose de mon chapeau, les amis. Encore un truc bien complexe, bien compliqué. Vous allez en chier. Ah, clairement. Si vous voulez un challenge d'indépendance, ne zappez pas, regardez la vidéo jusqu'au bout. On reste donc sur cette base-là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exercice, je vous mets la petite notification. N'hésitez pas à aller la voir, ok? Vous allez voir, vous allez sûrement bien kiffer parce que c'est un super exercice. Pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo où on travaille principalement le double coup de grosse caisse, eh ben on va toujours travailler ce double coup de grosse caisse, mais en beaucoup moins rapide. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc par exemple, je me mets un petit métronome à 50. Et on va garder exactement cette même dynamique au niveau de la grosse caisse, avec les enchaînements, comme il est mentionné dans l'exercice qu'on a travaillé sur la précédente vidéo. Donc on garde, on enchaîne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et une fois qu'on arrive à la quatrième ligne, on vient enchaîner jusqu'à la première ligne. Mais cette fois, il y a quelque chose qui va changer. C'est au niveau de notre main droite et au niveau de notre pied gauche qu'on va venir rajouter. La dynamique de la grosse caisse ne change pas. C'est main droite et on vient ajouter également le pied gauche. OK? On part à 50. One and two. One, two, three, four. Les insultes fusent, j'ai l'impression. Excellent exercice d'indépendance. Alors, pourquoi le modifier? Vous allez me dire, il était bien avant, on était en croche au Charleston, on venait placer nos trucs, on était bien, c'était déjà complexe. Pourquoi tu viens encore nous compliquer l'exercice? Parce que c'est comme ça que vous allez évoluer, les amis. Ne restez jamais sur les acquis au niveau des exercices, j'arrête pas de vous le dire dans la plupart de mes vidéos. Quand vous arrivez à faire quelque chose d'une manière, essayez de le faire d'une autre manière à côté, afin de vraiment développer votre jeu et d'être vraiment à l'aise ensuite avec tout ce que vous allez entreprendre derrière votre instrument. Alors j'ai bien vu hein, qu'il y a très peu de personnes qui veulent faire des dons. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien grillé parce que dans mon dernier petit extrait, je dis bon, ceux qui veulent kiffer, m'encourager, n'hésitez pas, faire un petit don. Surtout, je vous demande rien. Hein. Hein, c'est vous lui donnez un euro, vous me donnez un euro. Enfin, bah, personne. Personne ne m'a donné un euro. Que chi, c'est la dèche pour tout le monde. Voilà, ben c'est pas grave, je continue quand même, tant pis. Après, ceux qui feront des dons, sachez-le, il y aura des surprises pour vous. Vous inquiétez pas, il y en aura davantage. Vous serez bien évidemment privilégié. Voilà, après, vous voulez pas, je comprends aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Bon, enfin bref, c'était la petite parenthèse. Vous avez vu la structure de pied, donc pour l'exercice, j'étais à 50. Donc en fait, on est sur un débit con. Enfin. Oui, on est sur un débit complètement différent aux mains et aux pieds, que ce soit vitesse et ce qu'on a à faire au niveau de la main droite. Donc au niveau de la main droite, et ben c'est ça.
Ok, au niveau du pied, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et etc. Vous avez compris. Ça, c'est ce que je dois avoir au pied gauche. Et rien que ça, ça pique. Alors, avant de venir incorporer la grosse caisse, bien sûr, les amis. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok ? Ça, c'est la base. Et après, vous venez rajouter le pied au niveau du rythme, d'accord? La deuxième chose, pour les plus ouf d'entre vous, là, vous êtes chaud bouillant. On se met à 55. Le but, c'est pas d'aller vite au pied, là, c'est pas comme dans l'autre exercice, où le but, c'est d'aller de plus en plus vite au pied pour travailler double coup. Là, le but, c'est pas d'aller de plus en plus vite au pied, c'est de déjà tenir cette dynamique au niveau des mains. Donc, on passe à 55. 3, and 4, and 1. Là, vous avez l'exercice dans son intégralité. Là, je suis venu rajouter en croche mon cross-stick. Tout en maintenant après ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Là, vous avez un exercice en or, les amis, au niveau de l'indépendance. Essayez. Essayez, ça va peut-être vous demander un petit peu de temps pour arriver à le mettre en place. Moi, je ne vous cache pas. Je l'ai vu avant-hier. J'ai dit, tiens, je vais essayer de jouer comme ça. J'arrivais pas à enchaîner. Bon, je l'ai joué à des vitesses un petit peu plus importantes, mais j'arrivais pas à enchaîner les lignes. Rien à faire. Je l'ai fait pendant 40-45 minutes. J'arrivais à faire ligne par ligne, mais tout enchaîné, à un moment donné, il y avait un bug. Bon, j'ai fait, allez, hop, on pose tout. Papa, salut, bye bye. Clac. Hier, j'ai pas joué. Pas bien. Eh oui, je suis le premier à vous le dire. Pas bien. Mais j'ai pas pu jouer. Bon, voilà. Je suis revenu ce soir. Je tiens, on va remettre le petit métronome. Et là, pas une faute. Le truc, il est passé comme ça. Conclusion, hein, débrief un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps où je n'arrivais pas à tout enchaîner et que ce soir, je me suis mis derrière la batterie, j'ai mis mon clic, j'ai enchaîné, bam, tout est passé d'une traite. Et bah là-haut, en un jour, et bah toutes les cases se sont... Voilà, toutes les cases se sont mis rubiscubes, papapapapapapap, et du coup, perfect. Le but de ce genre d'exercice, c'est de le bosser, de le bosser. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, hein. C'est inévitable. Hein. Ça, là-dessus, c'est clair. Décomposez, commencez, ride, pied, et vous faites tourner ça. Pendant des minutes, vous faites tourner petit à petit. On commence par venir essayer de placer la première ligne, et on la fait tourner. C'est comme ça que j'ai fait. On fait tourner, deuxième ligne, pareil, jusqu'à la quatrième ligne, etc., etc. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'allez pas jouer pendant un ou deux jours, hein, parce que la vie fait que vous n'allez pas pouvoir. Et puis, vous allez réessayer après de le refaire. Et bien, bizarrement, ça va vous ressembler beaucoup plus simple. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo complémentaire à cet exercice pourra vous faire plaisir. Honnêtement, c'est un super exercice d'indépendance. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Balancez les pouces, balancez les cloches. La fée clochette, hein, n'oubliez pas. Clac, clac, pour être tenu informé de toutes les vidéos qui vont tomber. Et on s'abonne si ce n'est pas le cas. Merci à tous de votre fidélité encore une fois. Merci vraiment. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et galérez bien surtout avec cet exercice. Allez, ciao, bye bye tout le monde.